toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur. The Russian Ministry of Defense claimed that Russian airborne forces are constraining the actions of Ukrainian forces on the flanks around Bakhmut. In his latest in a series of public criticism of Moscow Ministry of Defense, the Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin said, quote, the flanks are already cracking and falling through. There is a serious risk of encirclement of Wagner in Bakhmut as a result of the failure of the flanks. The Institute for the Study of War has previously assessed the reports of Ukrainian counterattacks throughout Donetsk region appear to be a part of an ongoing pattern of localized and limited counterattacks. Les sirènes antiaériennes continuent de retentir à Zaporizhia. En une seule journée, les troupes russes ont attaqué la région à 70 reprises, selon les autorités locales. Au moins 8 personnes ont été blessées dans le bombardement de bâtiments résidentiels. Ces dernières heures, le ministère russe de la Défense a nié l'existence d'opérations de combat actives à Zaporizhia et à Kherson, à la suite d'informations faisant état d'avancées ukrainiennes en plusieurs points du front. La Russie affirme toutefois avoir repoussé plusieurs attaques dans la direction de Donetsk. Plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré que la contre-offensive ukrainienne, annoncée pour le printemps, devrait attendre, car il ne dispose pas encore de suffisamment d'armes. L'Europe s'est engagée à envoyer plus de matériel militaire à Kiev, selon le haut représentant de l'UE, Josep Borrell. La Suisse, qui a intensément débattu des livraisons d'armes à l'Ukraine, ouvre maintenant la porte à un assouplissement de sa loi sur la neutralité. Berne devrait sous peu autoriser les pays qui ont acheté du matériel de guerre suisse à le réexporter. Les États-Unis ont salué la volonté de l'Afrique du Sud d'enquêter sur les allégations de vente d'équipements de combat à la Russie. L'ambassadeur américain dans le pays a accusé Pretoria de fournir des armes à Moscou malgré sa neutralité affichée dans la guerre en Ukraine. Le bureau du président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est dit déçu par ces allégations et a exigé des preuves. La contre-offensive ne serait pas organisée comme on l'imagine habituellement, c'est-à-dire soldat contre soldat, char contre char, on récupère petit à petit le territoire et on récupère finalement tout ce qui a été conquis et occupé par les Russes. Non, ce ne serait pas ça de plus en plus. Le Royaume-Uni va fournir à l'Ukraine des missiles longue portée de type Storm Shadow, réclamés par Kiev pour lancer sa contre-offensive. L'annonce a été confirmée ce jeudi par le ministre britannique de la Défense. In a calibrated and determined manner. Today I can confirm that the UK is donating Storm Shadow missiles to Ukraine. Storm Shadow is a long-range, conventional-only precision strike capability. The donation of these weapon systems gives Ukraine the best chance to defend themselves against Russia's continued brutality, especially the deliberate targeting of Ukrainian civilian infrastructure, which is against international law. Ukraine has a right to be able to defend itself against this. Le Kremlin n'a pas tardé à réagir à l'annonce britannique par l'intermédiaire de Dmitri Peskov, le porte-parole du président Poutine. Développé conjointement par le Royaume-Uni et la France, le missile Storm Shadow lancé depuis les airs peut parcourir une distance de 250 km et donc atteindre des positions russes dans l'est de l'Ukraine. Pourquoi, comment, j'ai encore beaucoup de peine, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très émotionnels dans cette affaire. Ce qu'il faut comprendre aussi, j'ai travaillé 5 ans à l'OTAN et j'ai constaté que dans l'OTAN, je ne connais pas l'Union européenne, mais enfin, je ne connais pas l'Union européenne intimement, de l'intérieur. Mais je peux m'imaginer qu'on a le même phénomène. Dans l'OTAN, on a exactement ce que Donald Rumsfeld avait décrit en 2003 ou 2003-2004. Il avait dit, il y a une vieille Europe, c'est la France, l'Allemagne, l'Italie, ça c'est la vieille Europe, celle du marché commun, et la nouvelle Europe, qui est l'Europe orientale. Et cette nouvelle Europe, effectivement, dans l'OTAN, alors qu'elle ne représente pas grand-chose économiquement, hein, parce que si vous regardez d'ailleurs, si on regarde la répartition de qui reçoit et donne de l'argent dans l'Europe, on voit que c'est la vieille Europe qui paye pour la nouvelle, en réalité, globalement. Hein. Tous ces pays d'Europe orientale sont très faibles économiquement. Mais au niveau
de l'influence, ils ont une influence absolument incroyable. Pourquoi ? Parce qu'ils sont farouchement anti-russes, et donc farouchement pro-américains, mais vraiment farouchement. C'est la Pologne, par exemple. Voilà, la Pologne est un exemple, mais les Pays-Baltes, alors, voilà. Vous prenez d'ailleurs, c'est la même, en gros, c'est aussi la même histoire pour beaucoup, hein. Pas oublier que la Pologne et la Lituanie ont formé un État ensemble pendant très longtemps. C'est d'ailleurs un des objectifs de la politique étrangère polonaise, est de reconstituer ce pays. Ça, c'est assez fascinant d'ailleurs de voir que la Pologne fait partie de l'Union européenne et rêve d'une Europe, mais qui n'est pas du tout l'Union européenne. Bon, mais bref, c'est un autre sujet. Et donc, on a dans cette Europe, à la fois l'Europe et l'OTAN, on a cette Europe orientale qui est extrêmement virulente, qui est très bruyante, et qui est bruyante parce qu'elle a le soutien des États-Unis. Un défaut pourrait menacer tout ce que nous avons accompli en travaillant si dur ces dernières années pour nous remettre de la pandémie. Et cela engendrerait un ralentissement mondial qui nous ferait reculer encore davantage. Cela risquerait également de saper le leadership économique mondial des États-Unis et soulèverait des questions quant à notre capacité à défendre nos intérêts concernant notre sécurité nationale. Janet Yellen a émis cet avertissement avant une réunion au Japon avec ses homologues du groupe des 7 nations ainsi que l'Inde, l'Indonésie et le Brésil. Elle a déclaré que rien que la menace d'un défaut pourrait faire chuter la notation du crédit du gouvernement américain. C'est ce qui s'est produit lors d'une bataille sur le plafond de la dette en 2011. Le Fonds monétaire international a également averti de répercussions très sérieuses si ce plafond n'est pas relevé. Alors avant de répondre à Junior, expliquez-nous, Alexis Bédu, pourquoi les États-Unis pourraient être en défaut de paiement. Il est question de plafond de la dette, c'est une spécificité américaine. Oui, alors ce plafond, il a été mis en place pour faciliter la vie du trésor américain en lui permettant d'emprunter à sa guise jusqu'à ce plafond sans attendre le feu vert du Congrès. Donc le plafond, il est fixé en début d'année. Cette année, c'était 31 400 milliards de dollars, mais dès le 19 janvier, il était déjà dépassé. Donc comme ce plafond n'est pas relevé, le Trésor ne peut pas émettre de nouvelles dépenses, ça empêche le gouvernement de rembourser ses dettes passées, et si les investisseurs ne sont pas remboursés sur les dettes, c'est ça, ouais, un défaut de paiement. Alors comment éviter le pire? Quelles sont les solutions, nous demande Junior? La solution, elle est très simple, et tout le monde la connaît, Juan, c'est relever le plafond de la dette. Il a été rehaussé des dizaines de fois sans créer de vagues sur les marchés financiers. Ça devrait être une formalité, mais en fait c'est devenu un sujet très polémique et très politique. Il y a un affrontement entre républicains et démocrates. Les républicains exigent des coupes budgétaires, la baisse des retraites publiques notamment, mais Joe Biden, lui, refuse. Ouais, et l'autre solution, c'est la négociation. C'est la négociation qui a débuté. On est dans la tambouille politique américaine, rediscuter du budget et des futures dépenses. Mardi, il y a eu un premier round de négociations entre le président Biden et les ténors des républicains. Pour l'instant, rien n'a bougé, mais les discussions continuent, a fait savoir la Maison-Blanche. Il va falloir aller très vite parce que l'ultimatum fixé par Janet Yellen, la secrétaire du Trésor, ouais, c'est début juillet. Hein. Ouais. Début juin. Dans trois semaines, on va suivre ça de très près. Tous les jours, Bruno, vous observez ici la fabrique médiatique. Et ce matin, vous avez choisi de revenir sur une émission de la chaîne américaine CNN qui recevait avant-hier soir un certain Donald Trump. Oui, c'est un immense événement, Philippe, hein, qui s'est déroulé mercredi soir aux États-Unis, un événement presque plus médiatique que politique. Pourquoi ? Eh bien parce que CNN et Donald Trump se portent une haine mutuelle totalement vertigineuse. Ça faisait du reste sept ans que Donald Trump n'était plus intervenu sur la principale chaîne d'information américaine. Alors pour bien comprendre la nature de cette rancœur, il faut d'abord se souvenir de ces quatre petits mots. You are fake news. Vous êtes des menteurs. C'est ce qu'avait dit Donald Trump, tout juste élu, le 8 novembre 2016, en pleine conférence de presse à l'un des reporters de CNN, Jim Acosta, qui tentait désespérément de lui poser une question. Non, pas vous, pas votre chaîne, elle est épouvantable, lui avait-il dit en repoussant sa question et en refusant catégoriquement de lui répondre. Ne soyez pas grossier, je ne vous répondrai pas, vous êtes des menteurs, avait lâché Trump avant de se
tourné vers un autre journaliste. 6 ans donc après cette passe d'armes mémorable, Donald Trump a fait avant-hier soir son comeback sur CNN. La chaîne lui avait concocté une grande émission, 70 minutes, avec un public présent en nombre qui pouvait lui poser des questions. Et cette émission politique très spéciale, Bruno, a déchaîné la presse américaine qui a vu un échec médiatique retentissant. Exactement, car Donald Trump et CNN y ont poursuivi leur grand numéro de claquettes et de détestation réciproque. Trump a humilié la présentatrice à maintes reprises. Are you ready? Can I talk? Yeah, what's you the mind? Answer? Can I, do you mind? Il lui a demandé si elle lui permettait de parler un petit peu sous les rires d'un public totalement acquis à sa cause qui adorait entendre l'ancien président régler son compte à la vedette de cette chaîne nettement trop démocrate. It's very simple that you're a nasty person, I'll tell you. Vous êtes nasty, vicieuse, lui a-t-il balancé entre autres amabilité et toujours sous les rires de ses supporters. Donald Trump a donc réussi sa prestation puisqu'au terme de l'émission, un sondage a pesé sa popularité auprès de l'électorat républicain, c'est une nuance de taille, en forte hausse. Voilà pourquoi, pour une partie des éditorialistes américains, le programme de CNN est arrangé dans la catégorie des fiascos médiatiques. C'est ce qu'a dit, par exemple, Monsieur Politique de la chaîne MSNBC, traduit hier soir par nos confrères de Quotidien. C'était tout simplement honteux à tous les niveaux. Le plus choquant, c'était de voir le public acclamer un président qui a tenté de renverser la démocratie américaine. C'est-à-dire ce que Trump doit impérativement convaincre pour remporter d'abord la primaire américaine. Mais les autres, les plus modérés, ceux qui hésitent, auront sûrement été beaucoup plus dubitatifs en entendant Donald Trump fanfaronner, notamment au sujet de la guerre en Ukraine. Si je suis élu, je vais vous régler ça en 24 heures, a-t-il dit. Et quant à l'électorat féminin, celui qui sera déterminant en 2024 et qui fera basculer l'élection, eh bien, il a probablement été très surpris d'entendre Trump, condamné par la justice avant-hier à verser 5 millions de dollars à une femme qu'il accuse de viol, se moquer d'elle dans les grandes largeurs. What kind of a woman meets somebody and brings them up and within minutes you're playing hanky-panky and quel genre de femme a-t-il osé va faire des galipettes avec un homme dans une cabine d'essayage alors qu'elle vient à peine de le rencontrer? Pas sûr, hein, Philippe, que Donald Trump, subtilement poussé vers l'ultra-droite par CNN, soit donc réellement sorti vainqueur de cette séquence-là. Du reste, je vous donne une toute dernière information. Dans le camp de Joe Biden, les équipes chargées de la communication sont déjà en train d'isoler de très nombreux passages de cette émission afin de les envoyer via les réseaux sociaux, devinez à qui? Aux femmes. Merci beaucoup, Bruno Donnet. À lundi. À lundi. Une certaine confusion règne à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, alors que Washington doit lever ce jeudi une mesure mise en place durant la pandémie. Son nom, le titre 42. Ce dispositif permettait aux autorités américaines de refouler immédiatement les migrants entrés illégalement sur le sol américain. À la frontière, les migrants se pressent de traverser pour demander l'asile, car ils redoutent l'entrée de nouvelles restrictions. Ils disent que après le 11, nous ne pouvons pas passer. C'est l'apuro de la gente. Qui te l'assure? Non, nadie l'assure, mais il faut adelantarse les choses. Washington, qui a dit s'attendre à une situation chaotique, a déployé à la frontière plus de 24 000 agents et forces de l'ordre. Les migrants viennent principalement d'Amérique latine, mais aussi de Chine, de Russie ou de Turquie. Parmi eux, de nombreuses personnes vulnérables. We are seeing a lot more females with children. If you take a look, we're looking at really small, like babies, to anywhere from 2-3 years old, 5-6, maybe 10 years old. Avant de se présenter à la frontière, les demandeurs d'asile doivent au préalable avoir obtenu un rendez-vous sur une application téléphonique. Dans le cas contraire, leur demande pourrait être considérée comme illégitime et ils s'exposent à une interdiction d'entrée sur le sol américain durant 5 ans. La Chine et l'Équateur ont signé jeudi un accord de libre-échange après 1 an de négociations. Le ministre équatorien du Commerce a déclaré que l'accord couvrait 99,6% des exportations de son pays et qu'il ouvrait la porte au plus grand marché du monde. Après l'entrée en vigueur de l'accord, les droits de douane des principales exportations équatoriennes telles que les bananes, le cacao et les crevettes baisseront progressivement, passant de 5 à 20% actuels à zéro. Les principales exportations chinoises vers l'Équateur, qui comprennent des pièces détachées automobiles et des équipements électriques, bénéficieront également de l'accord de libre-échange.
La Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Équateur. L'année dernière, le volume des échanges bilatéraux s'est élevé à 13 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 20% par rapport à 2021. La Cour suprême du Pakistan a ordonné la libération de l'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan, dont l'arrestation en début de semaine a suscité une vague de violence par ses partisans à travers le pays. La Cour a ordonné que Khan soit maintenu sous la protection des forces de sécurité dans un lieu sécurisé de la capitale Islamabad. Suite à la décision, la violence dans le pays semble s'apaiser et bien que des affrontements entre les partisans de Khan et la police est éclatée à proximité du bâtiment de la Cour suprême. Le gouvernement, cependant, a dénoncé la décision, a déclaré être déterminé à trouver d'autres moyens légaux d'arrêter l'ancien dirigeant. Maintenant où les forces rivales sont tombées d'accord pour protéger les civils mais n'ont pas convenu d'un cessez-le-feu, l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide ont signé un accord préliminaire dans la ville portuaire saoudienne de Jeddah. Les deux parties ont souligné que les intérêts du peuple soudanais étaient une priorité, acceptant de permettre à tous les civils de quitter les zones assiégées. Elles ont également indiqué qu'elles travailleraient afin d'obtenir un cessez-le-feu à court terme lors des discussions ultérieures. Depuis le 15 avril dernier, le Soudan connaît des affrontements armés meurtriers. Et l'Agence de la santé de l'ONU indique que ces affrontements ont déjà fait au moins 600 morts. Gouvernement créé par le gouvernement de la transition, l'autorité indépendante de gestion des élections est désormais chargée d'organiser tous les scrutins au Mali. Ses membres se préparent pour leur premier grand test relatif à l'organisation du référendum le 18 juin. Le collège électoral est convoqué à un moment où le gouvernement de la transition a opté pour une nouvelle carte d'électeur. À ce jour, le taux d'enrôlement et de distribution de ces nouvelles cartes est très faible. C'est pourquoi l'autorité indépendante de gestion des élections n'écarte plus l'utilisation d'autres pièces d'identification pour voter. Les trois présidents démocratiquement élus entre juin 1992 et 2020 ont tous essayé de la réviser sans parvenir à cause toujours d'une opposition des Maliens. Cette décision des autorités de la transition d'adopter une nouvelle constitution ne fait pas également l'unanimité. Elle divise notamment la classe politique. Certains mettent en cause la légitimité des autorités actuelles pour engager une réforme constitutionnelle. La constitution est très claire pour qu'elle soit révisée. C'est le président, un président de la République élu et des députés élus qui peuvent s'adonner à cette tâche. Pour nous, rien que pour ça, on ne peut pas autoriser, on ne doit pas autoriser vraiment une nouvelle constitution parce que tout peut se retrouver dans cette constitution. Sur ces images, un missile israélien frappe l'habitation d'un dirigeant de l'organisation djihad islamique à Gaza ce jeudi matin. La tension est à son comble depuis trois jours entre Israéliens et Palestiniens. Une nouvelle flambée de violence qui a démarré mardi par des frappes de l'État hébreu visant le djihad islamique. Tel Aviv a dit ce jeudi avoir visé 166 cibles à travers la bande de Gaza. 5 sur Europe 1, on prend la direction de la Turquie qui se prépare à voter dimanche pour l'élection présidentielle, un scrutin presque un référendum pour ou contre Erdogan. Oui, la popularité du président sortant est d'ailleurs grignotée par l'inflation qui frôle les 50% désormais dans le pays. Une crise économique qui a même convaincu certains Turcs de glisser un autre bulletin dans l'urne. L'envoyée spéciale d'Europe 1, Caroline Baudry, a rencontré un berger et pour la première fois de sa vie, il votera pour l'opposition. Nous vivons nos derniers moments. Si le gouvernement ne change pas, impossible pour nous de continuer. Ramazan a 50 ans, mais une allure de vieillard. Son visage est buriné par le travail en plein air. Quand l'éleveur ne court pas après ses chèvres et moutons, il court après sa dette, l'équivalent de 30 000 euros. Depuis 2015, c'est fini. Tout est devenu cher. Ce que nous vendons est cher, ce que nous achetons est cher. En 2018, la botte de foin coûtait 4 à 5 livres. Aujourd'hui, c'est 110. Je dois de l'argent aux banques, je dois de l'argent aux céréaliers, je suis étouffé. Son regard bleu perçant surveille ses bêtes qui broutent le long de l'autoroute, son sourire est triste et son avenir incertain. J'ai voté Erdogan aux élections précédentes, j'aurais dû avoir les deux mains cassées pour ne pas le faire. Mon seul espoir c'est l'opposant, Kılıçdaroğlu. Ramazan a déjà réduit son cheptel, s'est débarrassé de ses vaches trop chères à nourrir. Le petit troupeau est désormais guidé par Princesse, sa brebis préférée, la seule dont il est sûr de ne jamais se séparer. Coup de théâtre en Turquie,
trois jours de l'élection présidentielle, Muharrem İnce, opposant à l'actuel chef d'État Recep Tayyip Erdogan, annonce se retirer de la course. Il était crédité de 2 à 4% des intentions de vote, selon les sondages. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum. Son retrait pourrait profiter à l'opposant numéro 1 du président Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu. Cet ancien haut fonctionnaire, membre du parti kémaliste CHP, est à la tête d'une alliance de 6 formations politiques et d'après les sondages, il serait en bonne posture pour l'emporter. Cette élection est un véritable test pour Erdogan, confronté pour la première fois en 20 ans à une opposition unie. La forte inflation a largement entamé sa popularité au point de promettre ce jeudi de doubler les salaires des fonctionnaires. Après les Turcs de l'étranger qui ont voté ces derniers jours, les 64 millions d'électeurs du pays sont appelés aux urnes ce dimanche. À quelques jours du scrutin, ces Mauritaniennes sont venues acclamer l'une des seules candidates femmes à la tête d'une liste régionale. Elle est membre du parti au pouvoir. Si les femmes sont omniprésentes dans cette campagne, dans l'Assemblée nationale sortante, elles représentent moins de 21% des députés. Pour améliorer leur représentation, en plus des 20 sièges qui leur sont attribués d'office au Parlement grâce à une liste nationale, cette année la loi exige que les partis leur réservent des places plus stratégiques dans leur liste. Pour cette candidate, des progrès ont été réalisés, mais les femmes ont encore un long chemin à faire. Ça tient aussi à ce que les femmes elles-mêmes s'intéressent à la politique et il faut qu'elles soient autonomes, il faut qu'elles aient une autonomisation, qu'elles puissent financer elles-mêmes leur campagne, qu'elles puissent s'intéresser elles-mêmes à se positionner dans les listes électorales. Quelque part, c'est un grand combat que nous devons mener et nous sommes là pour ça. Et pour se faire une place dans la politique, il faut aussi convaincre les futurs électeurs. Chaque soir, ces femmes du parti d'opposition islamiste Tawassul sillonnent les marchés pour échanger avec la population. Pour cette candidate à la députation, changer les mentalités se fera progressivement. En Mauritanie, la femme a un rôle de leader. Elle est habituée à prendre des décisions dans son foyer. Mais en politique, elle a longtemps été mise à l'écart, par manque de connaissances dans ce domaine. Avec le temps, la femme finira par occuper un rôle de leader en politique dans cette société qui tient à ce qu'elle ait une place centrale. La Commission nationale électorale indépendante a affirmé qu'elle sanctionnerait les partis qui ne respecteront pas les consignes sur la représentativité. Tout le quartier de l'Arliba est bouclé. La police patrouille sur l'île de Djerba après l'attaque de la synagogue mardi soir vers 20h15, alors que le pèlerinage juif annuel touchait à sa fin. L'assaillant, un gendarme, a d'abord tiré sur l'un de ses collègues sur le port de l'île avant de se diriger vers la synagogue à une quinzaine de kilomètres. Il a ensuite visé les renforts policiers autour du lieu de culte, tuant un autre agent. Les coups de feu, entendus par les fidèles, ont déclenché un vent de panique. Deux d'entre eux ont été tués par l'assaillant avant qu'il ne soit lui-même abattu par les forces de l'ordre. Les victimes, deux cousins, un Tunisien et un Franco-Tunisien de 42 ans, père de 4 enfants. Au total, 5 morts et 9 blessés. L'identité du tireur n'a pas été communiquée et l'enquête se poursuit pour déterminer ses motivations. Le ministère tunisien de l'Intérieur refuse pour l'instant d'évoquer une attaque terroriste. La plus ancienne synagogue d'Afrique attire chaque année plusieurs milliers de fidèles. Elle avait déjà été visée en 2002 par un attentat suicide qui avait fait 21 morts. Sur ces images, un missile israélien frappe l'habitation d'un dirigeant de l'organisation djihad islamique à Gaza ce jeudi matin. La tension est à son comble depuis 3 jours entre Israéliens et Palestiniens. Une nouvelle flambée de violence qui a démarré mardi par des frappes de l'État hébreu visant le djihad islamique. Tel Aviv a dit ce jeudi avoir visé 166 cibles à travers la bande de Gaza. En riposte, des roquettes ont été tirées en direction du territoire israélien, comme le montre cette vidéo de propagande de milices palestiniennes. D'après Israël, 547 roquettes ont été lancées depuis Gaza. 175 auraient été interceptées par le système de défense antiaérien d'Israël. Depuis mardi, 28 Palestiniens sont morts et un Israélien est décédé ce jeudi au sud de Tel Aviv après un tir de roquette sur un immeuble. Des appels au calme et des tentatives de médiation ont été lancés par la communauté internationale. Les Nations Unies se disent alarmées par cette escalade de violence qui a déjà fait plus de 130 morts depuis le début de l'année, dont une écrasante majorité de Palestiniens.
En France, le parquet national financier requiert un procès contre Nicolas Sarkozy ainsi que 12 autres suspects dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Le parquet réclame un procès pour corruption passive, association de malfaiteurs, financement illégal de campagne et recel de fonds publics libyens. Il revient désormais à deux juges d'instruction d'ordonner ou non un procès. Le dossier avait été ouvert en 2013, 10 années d'investigation ont été menées. Parmi les personnes soupçonnées figurent 3 ex-ministres de premier plan de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Rendez à César ce qui est à César. La monnaie, c'est César. César, c'est la nation. La nation, c'est une volonté de vivre ensemble. Donc vous acceptez qu'il y ait des transferts sociaux qui se passent à l'intérieur de la nation parce que tout le monde accepte d'être dans la même nation. L'Europe n'est pas une nation, c'est une civilisation. La France est une nation, l'Angleterre est une nation, l'Italie est une nation. Les pays qui ont gardé leur monnaie et qui donc ont gardé leur volonté de vivre ensemble vont bien. Ce qui me tue aujourd'hui, et j'en souffre énormément, c'est que grosso modo, le pacte social français est en train de se défaire. J'habite dans la région d'Avignon et la misère des petites gens est en train de monter de façon inimaginable à cause de l'euro qui tue les entrepreneurs. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que vous êtes bien gentil avec on va créer un État européen qui va remplacer, mais ça fait 40 ans qu'ils essayent de détruire la France, qu'ils essayent de détruire l'Italie, qu'ils essayent de détruire l'Espagne pour construire ce mythe de la nation européenne. C'est l'URSS votre truc. Laissez les gens décider de ce qu'ils veulent. C'est l'URSS, on est en train de nous refaire l'URSS. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qingkang, a rencontré des représentants de la communauté commerciale de Norvège à Oslo. Qingkang a déclaré que les entreprises norvégiennes avaient effectué des contributions importantes à la coopération et l'amitié entre les deux pays. Il a indiqué que tant la Chine que la Norvège étaient des partisanes et des participantes à la mondialisation économique et que toutes les deux s'opposaient au protectionnisme et au découplement. Qingkang a déclaré qu'au regard à la situation actuelle, il s'avère d'autant plus important pour les deux parties de renforcer la coopération et d'ensemble pousser à la libéralisation et la facilitation des échanges commerciaux. Les représentants de la communauté commerciale de Norvège qualifient la Chine de partenaire commercial et de marché important pour les entreprises norvégiennes. Ils déclarent espérer approfondir cette coopération. Un homme a ouvert le feu ce jeudi dans l'usine Mercedes de Sindelfingen dans le sud-ouest de l'Allemagne. Le bilan est de 2 morts, 2 hommes d'une 40aine d'années. L'auteur des coups de feu, âgé de 53 ans, a été maîtrisé par des agents de sécurité, puis remis à la police. À l'instar des victimes, il était salarié d'un prestataire extérieur de Mercedes-Benz. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons de son passage à l'acte. L'usine Mercedes de Sindelfingen emploie plus de 35 000 personnes. Face à une sécheresse dramatique qui asphyxie les terres agricoles, le gouvernement espagnol a annoncé ce jeudi un plan d'urgence de plus de 2 milliards d'euros. Une enveloppe destinée en partie à la construction de nouvelles infrastructures visant à dessaler l'eau de mer ou à accroître la proportion des eaux usées réutilisées, comme l'a expliqué la ministre espagnole de la Transition écologique. Nuestro objetivo es que el volumen de agua que España utiliza de esta fuente no convencional, reutilización de agua, pase del 10% actual, el 10% de las aguas urbanas son reutilizadas, al 20% en el año 2027. L'Espagne a connu l'an dernier son année la plus chaude jamais enregistrée. La Catalogne et l'Andalousie sont parmi les régions les plus touchées par la sécheresse. Les niveaux des réservoirs qui stockent l'eau de pluie sont au plus bas. Selon un rapport, 80% des terres agricoles espagnoles sont asphyxiées. C'est un pas européen vers une première mondiale. L'Union se rapproche de la première régulation sur l'intelligence artificielle. Deux commissions du Parlement européen ont adopté jeudi un mandat de négociation. Les eurodéputés proposent d'informer plus facilement les citoyens quand une intelligence artificielle est employée, afin de renforcer la transparence. Ils veulent aussi interdire la surveillance biométrique, la reconnaissance des émotions ou encore les systèmes de police prédictive générés par cet outil. Essentially, what this regulation will mean is that there are more stricter safeguards on how governments, in particular, use these systems, and also private companies using them in ways that affect us. So, what we will see is that first of all, we will know more about when these systems are used.
particularly when used by law enforcement and migration control, often we don't know whether these systems are used or not. Le texte propose d'encadrer les générateurs de contenu rédactionnel comme ChatGPT, qui devront faire l'objet de mesures supplémentaires de transparence. Les entreprises devront aussi indiquer si leur contenu a été généré par une intelligence artificielle. Elles devront également empêcher l'utilisation de données protégées par le droit d'auteur. So transparency is the first step, but it's not the only step. So what we have to also think about is when we're speaking about the development of large-scale AI systems, we're not just speaking about sort of potential flaws or potential biases in the system that make them harmful. We're also talking about massive levels of compute power with an environmental impact. We're speaking about exploitation of labor of people, often in the global south. And we're speaking about various different levels of economic dominance of these large technology companies. Le texte sera soumis au vote le mois prochain à l'ensemble du Parlement lors de la session plénière. Une fois adopté, les négociations entre les eurodéputés et les États membres pourront débuter. L'objectif est de parvenir, d'ici la fin de l'année, à la première réglementation mondiale sur l'intelligence artificielle. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. C'est très important pour que notre chaîne YouTube puisse prendre de la hauteur.